Et bien salut à toutes et à tous, c'est Wariox et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2, la campagne, et j'ai téléchargé la mise à jour Résurrection. Donc ça c'est la suite de l'histoire principale comme c'est marqué, et puis donc ce n'est pas la fin. Choisir mission, mais j'en ai pas fait de mission en fait. Projet Résurrection. Donc voilà, donc c'est la suite de l'histoire principale, et là c'est c'est l'histoire de Hidden Versio qui continue, donc à l'endroit du premier ordre, et du coup c'est des années plus tard, donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Difficulté de campagne, suivez à... Ouais, les soldats comme d'habitude. C'est parti. Oh joli, là elle est plus vieille hein. Elle est plus vieille, donc ça c'est des années plus tard. Elle est plus vieille, j'ai remarqué. Alors par contre là c'est un chargement horrible. Regardez ce chargement en bas. Donc là, vu qu'on va parler du premier ordre, tout ça, ça correspond à Star Wars 8, je pense. C'est vu que j'ai regardé ça quelque part. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu le film ou quoi que ce soit, évitez de le regarder parce qu'il risque d'avoir du spoil. Donc même pour vous dire, j'ai voulu jouer avant, mais je me suis dit, je vais être raisonnable. Je vais jouer après avoir vu le film. Tu sais, Hidden m'a peut-être trahi, mais toi, Adèle, tu m'as laissé tomber! Ask, ne te lance pas à sa poursuite. Ça finira mal pour toi. Pensez à enterrer Delmico et son équipage. Mais ne touchez pas au Corvus. Vous savez qu'elle va venir le chercher. C'est bien ce que j'espère. Ouh là là. Alors j'ai laissé le résumé parce que d'ailleurs il y a des trucs que je me rappelais plus. Déjà Ask est vivant, c'est vrai. En fait c'est carrément la suite quoi. Un vol d'entraînement, je ne pensais pas exactement à ça. T'en fais pas, maman. Arrête des vieux jeux comme ça. Pardon, vieux jeux? Attends un peu, laisse-moi t'apprendre quelques trucs sur les X-Wing et sur la sécurité. On reçoit un appel du Corvus. Ton père n'est pas censé rentrer avant plusieurs jours. Idem, ici Shreve. Je vous envoie des coordonnées. Il faut qu'on se voit. On arrive. Oncle Shreve, ta grosse tête m'a manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Est-ce que tout va bien? Ta mère est par là. Oui, elle cherche son mari. Contente de te voir, Shreve. Où est elle? Je cherchais des informations pour la résistance dans le système Jinata. Ça s'appelle le projet Résurrection. Il y a des gens qui disparaissent, et le général Organa pense que le premier ordre n'y est pas pour rien. J'ai été surpris quand mes scanners ont capté le Corvus sur Pilio. Qu'avez-vous trouvé? Rien du tout. Le vaisseau était vide et toute la planète est recouverte de mines. J'ai cherché partout, mais aucune trace de Del. Donc, j'ai consulté le journal du vaisseau et j'ai trouvé ça. Avant Pilio, Del s'est posé sur Atula, une planète en bordure du système. Quelqu'un là-bas doit savoir ce qui lui est arrivé. Oui, je l'espère. Parce que c'est notre seule piste.
Shreve, mettez le cap sur Atula. Oui, madame. C'est extrêmement beau. Corvus, vous revoilà. Vous avez retrouvé nos hommes sur Bilio. Mais vous n'êtes pas Del. Del n'est pas là. C'est pour nous aider qu'il vous envoie. Les Jinata ont enlevé tellement de familles. Nous sommes en désespoir. Quelqu'un est en train de brouiller le signal. Ouh, ça, c'est le Star Wars 8, non? Ouais. Il y aura elle qui brouille. Vaisseau de la sécurité de Jinata en approche. Les troupes de Gled. Qu'est-ce qui se passe? On a de la compagnie. Shreve, j'ai besoin d'un analyste expérimenté sur le pont. Zay. Je sais que c'est un peu soudain, mais tu es prête. Retrouve-moi au hangar. Ouh, c'est extrêmement joli. Les Atula ont écouté Jinata kidnappait des familles. C'est l'endroit le plus beau que j'ai. Ils viennent sans doute en chercher d'autres. Wow. En effet. Et on commence par un truc de X-Wing. Je sais plus conduire. C'est bon, je vais encore faire ça. Ah, par contre, ça me donne mal à la tête. Regardez-moi J'allais cette beauté. Vous dire la même chose. C'est d'une beauté pas possible. J'aimerais l'utiliser en miniature. Parle plus. Voilà, c'est bon, j'ai ma miniature. Qu'est-ce qu'on fait, Eden? Vous pouvez approcher le Corvus de cette frégate. Oui, la frégate. Ah ok, non mais ça je sais. Les astéroïdes ou les lasers, pas les deux. Je détecte des chasseurs et des transports. Je recharge des canons. Il faut se débarrasser des deux. Ah. Suis-moi et fais attention à ces astéroïdes. Bon, je peux tirer. Ça passe à travers ou quoi? Ça fait des petits impacts de rien du tout. Ah, c'est bon, c'est bon. Vous voulez bien abattre ces vaisseaux? Oui, bah 2 secondes. Ah, ils sont violents, eux. C'est quoi ces vaisseaux là? Je les reconnais pas. Ni pour lui. Ah, j'ai tiré mes torpilles. Et s'il commence à bouger dans tous les sens, ça va pas le faire. Alors, ça c'est fait. Reviens. Ah bah c'est pas moi. Rien de moins. En tout cas je l'avais touché. Ça compte. C'est magnifique, hein. Je n'arrêterai pas de le dire. D'après mes scanners, les le souffle de l'explosion ça fait rien. Les hommes de Gled doivent s'en servir. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais pas, c'était marqué mais bon, j'ai pas lu. Je le saurai plus tard. Faut accélérer un peu. Impulsion ionique, ah d'accord. C'est pour paralyser les vaisseaux ça, non? Je ne sais pas trop. Très bien. Ah, c'est pas facile de reprendre la main après plusieurs temps que j'ai pas joué. Je les tire, maman. Oui, et bientôt dead. Oula. Shit. Il reste plus que 3 là, non? Ces transports nous attaquent. Quel transport? Les transports armés sont indispensables. Ah, les transports, attention d'accord. À leur laser. Zay, avec moi, on s'occupe des transports. Quels sont les transports, lesquels? Ah, c'était bien ce que j'avais vu. C'est pas ceux-là les transports. C'est ceux-là. Thank you.
Allez. Ah, c'est galère, hein. Allez, allez. Allez. Merde. Vous savez, abattre mes vaisseaux n'arrêtera pas notre opération. Vous parlez du projet Résurrection. C'est comme ça que Gleb l'appelle. Moi, j'appelle ça, comme tout le monde, du trafic. Je savais pas que c'était aussi puissant un vaisseau comme ça. Parfait. Convoi détruit. Vous ne kidnapperez personne d'autre aujourd'hui, Limakai. Vous croyez vraiment que j'ai des quotas à remplir? Si je ne le fais pas ici, je le ferai ailleurs. Shit. Hors de question. Ça passe, ça passe. On peut vous répare. Non. Je fume un peu. Le robot ne peut pas réparer. 5 sur 5. Passez devant. Au bout répare. Ah c'est bon, ça paralyse, j'avais raison du coup. Arrêtez ça. Allez, allez. Oh non, j'ai pas fait gaffe. Et voilà, quand tu contrôles mal ton vaisseau, voilà. Je reprends où là du coup? Shrim, attirez leur attention pendant que nous détruisons leur moteur. 5 sur 5. Ça va, je reprends là. Allez. Vous êtes une déjà. Ça paralyse bien là. Alors on continue. Fred, Fred, Fred. Ah, il fume là, il fume. Quoi, c'était quoi ça? Il y a quelque chose qui m'attaque mais violemment. Son canon là, c'est plus que chiant, voilà. Et maintenant essayez de détruire ça. Non Fred, wow, je suis tellement collé. Se détruire là, il est en train de se détruire. Allez. Fred. C'est fini, oui. Je sais pas si je suis en train de bien le faire là, mais en tout cas il est puissant sur l'esprit. Est-ce que je fais du bon sens au moins? Ouais, je fais du bon sens. Ah c'est peut-être à temps. Être plus simple comme ça, bah oui, largement. Vous avez réussi. Les voilà. Moteurs sont HS. Limakai, bien. Je vous donne une dernière chance de vous rendre. Gleb ne me fait pas pour me rendre. Elle me fait pour remplir ma mission. Et c'est bien ce que je compte faire.
Kai se dirige vers vous à bord d'un chasseur N1 ultra modifié. Et il a des chasseurs lourds avec lui. Mais dis ça, arrive à Kai pendant que tu t'occupes des autres. Zay, attends! Trop tard! Bon, on va les détruire du coup. J'espère qu'on verra Kylo Ren et tout quoi. Là. Du coup, dessus, c'est notre petit droïde là, je crois. Je crois bien. Alors ça, c'était pas voulu. Le pare-brise, il est ça là. Ne pas pouvoir détourner son attention indéfiniment. Tu vas y arriver. Ah, t'es tiré parce que j'étais en surcharge, quoi, fou. Un de moins. Et maintenant, occupons-nous ton petit peu là. Ah, ça va. Et encore. Ah, tu vas pas me faire le coup du combat de vaisseau là, que j'ai eu, il partait dans tous les sens, ça. Attends, ça me gratte le nez. J'y travaille. Voilà, c'est bon. Je me cure pas le nez, là. Hein. Juste en dessous. Dernier. Ah non, il reste encore un. Moi, je sais trop rien en fait. Ouais, ça a l'air d'être le dernier. Maman, débarrasse-toi d'eux et viens m'aider. Donne-moi une minute. Voilà. Les alliés ont leur compte. J'arrive, Zay. Je suis touché. Encore des vaisseaux. Dis-moi que tu vas bien. Ça va, mais fais attention. Imakai revient pour s'occuper de toi. Je me charge de lui. Va te mettre à l'abri sur le camp. Vous avez vu Atula ? Cette planète est un enfer. Je sais pas où Gleb envoie ses enfants, mais je vous assure qu'elle leur rend service. Utilise ton impulsion. Je l'ai touché, je crois. Ah, bonne idée. Ça doit désactiver les bombes avant qu'elles n'explosent. Arrêtez ! Oh, j'arrive à le toucher. Alors, désactiver les bides. La pulsion ionique peut être utilisée pour désactiver les bides et les empêcher d'exploser. Ouais, mais ça a aussi marché pour neutraliser les ennemis. Non, je vais utiliser, je m'en fous. Regardez-moi ça. Ah, désactivé. Il souffle. Pas facile. Ah, je vais abuser. Oh, je vais désactiver, hein. Ah, par contre. Voilà. Pardon. Attention derrière. Allez. Bien ce qu'il dit, lancement de mine, sinon je le verrai pas. Ah là, il va commencer à bouger dans tous les sens là-dedans. Oui. Une paye régulière, de la nourriture chaude. Pas trop de gens essayant de me poignarder dans le dos. Ça, c'est le suit. Dans le métier, oh, parfait. C'est quasiment comme la retraite. Et là, vous cachez ma retraite. Là, il fume bien. Là. Il lui manque pas grand chose. Attention, il brûle même. Ah, c'est pas vrai. Je l'ai eu. M'en fous, je l'ai eu. Je sais que le terme est un peu fort, mais. Je l'ai eu, hein, ouais. Je vais poursuivre la frégate. Et là, je sens que j'ai un trophée, vu que c'est fini. L'opportunité vient de se rendre. Quoi ? Ouais, j'imagine. Chava, leur leader, elle se rend aussi facilement ? C'est peut-être parce que je leur ai dit qu'on trop était du projet résurrection, voilà. Concussion en même temps. C'est, tu sais pourtant que le corps... Non, c'est vrai. Du beau boulot, soldat. Mais c'est pas tout. Ils ont craché le morceau. Gleb a embarqué Del quand il a découvert le projet Résurrection. Où est-elle ? Vous n'allez jamais le croire. Thank you.
pourquoi vous avez dit à Zaï de rester sur le Corvus. Elle s'est bien débrouillée sur Atula. On pourrait avoir besoin d'elle. Gleb est... une partie de ma vie que j'essaie d'oublier. Que Zaï connaisse mon passé, c'est une chose. Qu'elle se retrouve face à lui, c'en est une autre. Je comprends. Laguer un peu les images de cinématique, hein, quand même. Bon, là, on va enfin avoir de l'action sur Terre. Notre petit robot est toujours avec nous. Neige, c'est sympa. Ah oui, j'ai même pas remarqué d'ailleurs. C'est de la cendre atmosphérique. Le résultat de l'opération cendre. Les restes d'une ville morte. Plus, j'enregistre le 23 décembre. Bon, vous savez quoi? Je ne dis plus rien. Pour vous dire si ça sort tard. Enfin, quoi que vu que ça va être les vacances, non, ça peut forcément sortir tard. Iden, regardez. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Le premier ordre, c'est forcément eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allons-y, en trouvant Gleb, on découvrira ce qui est arrivé à Del. Et vous pourrez rejoindre la Résistance pour tirer les choses au clair. Ah, j'adore ce charme. J'ai toujours pas fait de roulade. Des gens vivaient encore ici. Je pensais que Gleb avait abandonné Vardos en même temps que l'Empire. J'avais tort. Les cheveux sont toujours très bien travaillés. J'ai regardé comme ça. Vous êtes prêts? Très bien travaillé pour une fois. Allons aux archives. Deux secondes. Ah, il y a de la technique. Il y a de la technique, ça va. Donc je peux pas faire de roulade là. Serge pourra obtenir... Ah, j'ai vu un truc, attendez. Obtenir l'apparence pour le multi avec elle. On fout, j'ai vu un truc. Ah, voilà. Pirate ça, tu veux? Ah oui, c'est vrai, le hacking de robot. Alors ça, c'est pour les armes. Ouais, sauf que je vais peut-être garder celui-là, en fait. Ouais, j'ai gardé ça. Par contre, les cartes... Oui, je vais mettre quelque chose. Hein. Non, j'ai fait une connerie. Faut que je vais laisser ça, après je vais peut-être prendre ça. Ah mais c'est chiant ça. Voilà, parfait. Et j'ai toujours l'électricité du robot, très bien. C'est Gleb. C'était Gleb. Ask. Lâchez vos armes. La tutélaire s'est avérée ne plus être très utile au projet Résurrection, ni au Premier Ordre. Le projet Résurrection. Kidnapper des enfants. Des sauvetages. Pour transformer les enfants en une armée comme cette galaxie n'en a jamais connue. Jamais vu. Le Sénat ne vous laissera jamais faire. Aujourd'hui, le Sénat et tout le reste du système Osnian ne sont que des cendres. Toutes ces lumières rouges dans le ciel. Magnifique, n'est-ce pas? Depuis des années, la République n'a strictement rien fait. Et pendant ce temps, nous nous sommes préparés pour cette journée. Tu vois, Iden, j'espère que tu apprécieras. Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai choisi d'être avec toi. Dans ce lieu où tu m'as absolument tout pris, notre escouade, ma famille, j'ai attendu si longtemps pour te le faire payer. D'abord avec Del, et maintenant... Non.
Découvrez ce qu'ils savent sur la résistance et brûlez cette ville. J'ai dû vivre dans ta galaxie, Eden. Maintenant, c'est à toi de vivre dans la mienne. Encore se battre. Hein. Alors truc illogique vite fait, quand tu sais que c'est un ennemi comme ça, qui a tué autant de d'impériaux et tout, logiquement tu la tues directement, hein. Tu la laisses pas en vie ou quelque chose comme ça, tu la tues directement, pas comme Aske a fait. Mais bon, tant mieux. Ils défendent Vardos et ils défendent leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de notre côté. Eh, c'était pas celle-là mon arme. C'était pas celle-là, là, j'ai une nouvelle arme. Elle a l'air encore mieux, sauf que elle bouge beaucoup. Regardez, ils sont trop occupés à s'entretuer pour nous remarquer. Dans ce cas, ah merde, ça c'est bon. Allons-y. Il y a beaucoup de monde là. Un petit ah non, scan, mais j'ai déjà crevé. Ah non. Fais-toi plaisir. Regardez ce que j'ai fait. Oui. Non, on pourra tirer. Oh, pardon. J'ai oublié qu'il fallait faire ça, voilà. Lance un scan. J'ai mon truc de guérison là, je dois prendre. Ah, finalement, j'aime pas l'arme là. Oh, il a volé. Pourquoi lui, il faut l'attaquer? Je comprends pas. Ah, ils se sont retournés contre nous, d'accord. Ah oui, c'est vrai, ils avaient été par Skyrim et tout. Apprends à viser, à tirer, mais... Mais, je tire sur mon pote, du coup. Et ça passe. Lance un scan. Ouh, il a volé. Non. Con. Voilà, c'était celui-là que je voulais prendre en fait. Ils défendent par dos et ils défendent leur vie. Ça ne peut pas dire qu'ils puissant sont celui-là, on dirait. C'était calculé pour que ça part là-bas et ça n'a presque rien fait. Génial. Mais t'as pas à faire un son. Oh j'en ai eu. Qu'est-ce qu'il fait là lui? La façon de mourir c'est épique quand même. Oh merde. Non. Lance un scan. Toi tu pars là-bas. Fais-moi ça. Allez vas-y. Ah bien joué, et les deux en même temps. Qui m'a... Ah, calmez-vous déjà. Lance l'analyse. C'est plaisant de jouer à la première personne, hein. Sauf que j'aime pas trop quand on voit pas de personnage en fait. Et c'est plus dur à jouer. Et je vais crever. Merde. Ouf. Oh, j'ai tiré sans faire exprès. Je voulais avoir l'autre. Il n'y aurait pas un truc caché là. C'est fort probable des fois. Il n'y a plus personne. Attends, j'entends tirer là. Un scan, s'il te plaît. Non, y'a plus personne. Lance roquette, ok. C'est qu'on en a forcément besoin. Attendez, qu'est-ce que... C'est n'importe quoi. Premier ordre.
De l'autre côté, il n'y a pas un truc. Barrage. Ouais, barrage, c'est moins bien aussi. Je préfère bazooka. C'est le même truc. Au pire, ce que je vais faire. Voilà. Et je reprends le bazooka. Ah, j'en ai touché. Ah non, je peux plus le reprendre. C'est une blague. Oh, j'aurais dû savoir. Et qu'est-ce que je fais face à ça maintenant? Je m'en fous, je veux mon bazooka. C'est pas sérieux. Ouf. Allez, 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 allez. Limite, j'ai envie de mourir. Enfin, dans le jeu, bien sûr. Galère pour l'avoir. J'ai vu la grenade. Et ça fait pas tellement de dégâts en fait. Un petit coup d'électricité, ça ne fait jamais de mal. Ah non, vas-y. Scan en cours. Allez, allez, allez. Il n'y a plus grand chose. C'est ça le principal problème, j'aurais le bazooka, ça aurait été beaucoup plus vite. Ah bah j'ai fait un peu exprès parce que je voulais le bazooka, c'est la plus vite. Enfin, j'espère que je vais l'avoir quand même. Par contre, je garde cette arme. Ah attends, ouais, si je pouvais avoir le petit pistolet que j'avais eu avant, c'était pas sûr. Est-ce que c'était celui-là? Quoi, je reviens là? Ok, re, je suis de retour ici. J'ai fait plusieurs trucs au sniper et puis j'ai pris un blaster lourd. Sauf qu'il se réchauffe rapidement et c'est ça le problème. Bon, ça j'avais déjà mis, ouais. Donc, on peut continuer. Je crois que j'étais mort une fois, non? Non, je sais plus. J'avais pris mon temps. Moi, je vais bien prendre le lance-roquette. Raté. Attends, mais c'est des nouveaux TRTT ça? Non. J'ai pris celle-là parce qu'apparemment, elle est conseillée, je vais trouver dans la map. Scan. Ah oui, il allait faire beaucoup plus de vie là. On est tous à le sérieux, ça c'est bien fait. Attends, 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 attends. Lui fait le fou quand même. Hein. Oh oui. Yes. Lance-moi un scan des environs. Je peux sortir là, non? C'est dangereux ce que je fais quand même. C'est très dangereux. Rentre vite là-dedans. Doucement, doucement. Et là, hop. On n'a plus. Pas une très bonne portée ça quand même. Lance un scan. Allez, étourdis-les. Allez, vas-y. Il est beau le... Ils sont beaux les vaisseaux écrasés là, les X-Men. Touché, touché.
Un scan, s'il te plaît. Au revoir. Voilà. J'ai bien fait mon travail. C'est bien, il me suit. Alors toi, tu vas dire au revoir. Hein. Oh, je suis un peu déçu. Hein. Je vais pas faire de roulade. Je pensais que ça allait aller plus vite que ça, mais non. T'as eu vraiment de la chance qu'il y avait des barrières. Et puis personne. Lance un scan. Et puis personne. Et le lance-roquette est encore disponible. Je l'ai repris alors que je l'ai déjà. La logique. Mais là c'est un nouveau. Ici à haut. Des flamethroopers. Oh, j'y vais. Non. Je fais n'importe quoi. Ils nous barrent la route. On les élimine. Oh flamethrooper. Oh shit. Ouais je sais, le feu ça brûle, ouais. Par contre ça fait très mal. Ah il est pas puissant. Ça c'était dans Star Wars 7, dans le 8 ils sont même pas là. Par contre vu ce que je lui ai mis. Je crois pas que dans le 8 ils sont là. Ah il meurt. Mais c'est combien de trucs quoi. Donne-moi un scan. Alors il n'y a plus personne mais je regarde un peu. Donc il y aurait des trucs cachés. Ou alors des trucs assez drôles. Je crois qu'il y a quelque chose là maintenant. Je pense que les trucs collection c'est pas dans Résurrection. Alors qu'est-ce que c'est que cette arme? Dio, trouve un relais de communication. En scannant la ville, on trouvera le signal. C'est un sniper ça, non? C'est un sniper, il a l'air assez bon. Il est assez puissant. Ouais, je tire bien quand même. Bon, après tu me diras que je suis pas en multi, mais bon, piraté c'est nouveau. Alors je l'avais, c'était verrouillé automatiquement. Je sais pas si c'était verrouillé, ou alors j'étais dessus. Je crois que j'étais dessus en fait. C'est quoi, je vais reprendre le barrage. C'est un peu du hasard comment il faut tirer. C'est chaud à voir dans le graphisme. Il passe pas devant aussi, mais ça fout lui, je suis en train de tirer, il passe devant. Lance l'analyse. Alors, je tirais comme un fou, j'avais trop limité. Mais je peux pas l'avoir lui. Allez sort. Ah oh, écoutez. Laisse ta tête. Ah, ça ne suffit pas. Il est où? Ah là, là, d'accord. Y'a plus personne. Localisation des ennemis. Y'a plus personne. Je peux y aller. Continue jusqu'au relais. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait plus personne quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais je regarde, hein, j'admire hein, ces grains de poussière là qui volent. Et là tiens, attends comme ça. On va pirater ce module là-bas. Un scan s'il te plaît. Ah. À toi de jouer. Parce que je vais pas garder un sniper non plus. Hein. Pas la meilleure des idées. Ah c'est celle-là l'arme là, hyper puissante, sauf que regardez son refroidissement quoi. Il est pourri. La cadence de tir. refroidissement, portée, cadence de tir, dégâts. Ah il a l'air pas mal celui-là. Ah mais c'est un sniper aussi, non? Blaster lourd. C'est quoi celui-là déjà?
Oh celui-là il est parfait je trouve. C'est quoi ça? Ah une tourelle, ok. Pirate ça. Magnifique. Dio, repère tous les signaux de détresse de la ville. Droïde cyclone. Ok je m'en vais. Je vais même pas y aller alors. Ah je t'ai vu toi. J'imagine que je dois faire ça. Oh, abattez-le. C'est un kamikaze lui. Oh elle est parfaite l'arme là. Attends mais il prend combien de temps lui à pirater en fait? En fait le temps que je les détruis tous ou quoi? Oh c'est mieux que rien. Vous avez raison. Allons chercher. Ouais, il fait pas son travail lui. Allez. Fais ton travail. Je cherche les ennemis. Scanne-moi ça, droïde. Ok, j'avais vu. Ah, le droïde a fini, j'allais dire il faut pas faire 36 trucs mais bon. Normalement il n'y a plus personne dans cette zone. Ah bah allez allez doucement. Regardez, un ancien TRTP. Et où? Les marcheurs sont dangereux et rapides, ça pourrait nous servir. Transformé en cible. Continue à pied. Oh ça. Oh oui c'est les anciens, oh trop bien. Oh trop bien. Parce que j'ai déjà fait mon bazooka. Oh oui c'est trop bien. Oh shit. Eh hey, doucement. Ça sert à quoi ça? Eh hey, bonjour. Est-ce que je peux leur marcher dessus? Oui ça marche. Il y en a un autre là au cas où. C'est prévu en fait au cas où qu'on se fait détruire, ce qui est probable. Parce que vu ce que je suis en train de faire là. Ah, il m'attaque même pas ce con. Et voilà. Je peux pas sauter par contre. Il y en a partout des trucs. Ah je peux descendre, parfait, parce que je vais faire scan. Ça. Allez-y. Scan. Fais bien. Il n'y a plus personne. Sécuriser la zone. Okay. Il faut qu'on sécurise la zone avant d'ouvrir le module de sauvetage. Bonne idée. Temps de mettre ça en marche. Ça c'est super efficace ce que je suis en train de faire là. Ah wow wow wow. Oh merde. Je l'ai pas vu lui. Attends. Il est en train d'aller en tirer la ville. On peut pas combattre un truc comme ça. Dépêchez-vous, nous devons trouver Z. Intéressant cette phase de gameplay là. Ah voilà. Il y a des kamikazes partout. Oh. Faut pas mettre première personne. Non, il n'y a pas de première personne. Par contre, là, ça fait un petit peu mal. Faut pas trop courir, c'est chiant. Bon, là, il y avait ça. Ah, la beauté des explosions. Ah, attendez. Oh oui c'est le TBTT de Star Wars 8. C'est donc ceux-là alors. Le TBTT du premier ordre. Gamma en action. Ça a la beauté du spectacle quand même. J'ai le même depuis tout à l'heure. En plus ça peut être dangereux ça alors je peux exploser même si je ressens un petit peu.
serait trop bien. Ah, détection de mouvement, mais en fait j'avais ça. Attends, je viens de descendre tout à l'heure, je savais pas. Enfin, les blows. C'est quoi ça, roquette? Dites-moi quand ils sont infinis par contre. Non mais juste c'est ce qu'il y a le TRTT, merci. C'est quoi ça? Non c'est trop rien. On dirait que la zone est safe. Non. C'est le dernier lui, non? Zone sécurisée. Voilà. On doutait qu'on allait faire un truc avec ça. C'est bien qu'il met des petites cinématiques interactives en fait. Zay n'est pas là. Ne vous inquiétez comme pas. Par hasard ça va être l'autre. Zay est intelligente. Elle est forte. On va la retrouver. Il est où mon truc là? A chaque fois je le retrouve pas, c'est chiant. Mais je l'ai déposé où mon TRTT? Au pire il y en a un autre là mais bon. Pirate-le. Ouais, au moins je vais pirater ça. Bon bah j'en ferai dessus là du coup. Je vais garder le même. Attendez, je peux faire une cascade. Oui. On va y ripper l'autre marcheur. Il se casse même pas ça. C'est galère à courir ça. Piétine. Je crois qu'ils attaquent, si c'est eux. Plein de troopers. Voilà, on a plus. Je crois que j'ai mis en pleine tête. Il se fait brûler. On les élimine tous. Merde. Jusqu'au dernier. Voilà. Tu peux me pirater ça? Je vais crever. Je vais crever, c'est quoi cet écran noir? Et remonte là-dedans. Oh. Il est chaud là, vraiment. C'est quoi ça? Une tourelle. Un gars comme ça pas loin là, un officier, les tirs. Faut que je t'écrase quoi. Écrase-le. C'est quoi, ça va aller plus vite hein. C'est pour ça que je voulais faire, bon bah tant pis. Des grosses charges. Il est là l'officier, c'est bon. Je mets un peu le moteur. Là. C'est un peu beaucoup. Légèrement tu vois. C'est bien parce que tellement que c'est bien fait les navettes et tout qu'ils arrivent. C'est bon j'ai eu. T'inquiète, regarde. On la replie. Ouais, replie, ça brûle. Le feu ça brûle comme il l'a dit tout à l'heure. C'est bon, ça fume un peu moins, mais ça fume toujours. Pourquoi pas? Attendez, je le laisse juste à côté, on est bien d'accord. Il est juste devant. Et là il va être dedans, c'est ça? Elle va être dedans, pardon. Non. Il est vide. Vous doutez. Ah, ne vous en faites pas. Elle est forcément quelque part. Et il est mis à fond, c'est bien ça. Je l'ai pas fait. Il y a un troisième signal.
Je n'ai pas fait exprès ici. Elle est vivante, Shriv. Et elle est toute seule. Je pense que ça te fait pas mal alors. Voilà. C'est chiant à guider ça. Pourquoi il est bleu? À la base ils sont verts. Vous croyez un ah. Comme ça? Non mais bouge en fait. Allez, avance un peu. C'est terminé la vidéo maintenant. Je vais essayer. Et j'y vais là. C'est une galère à piloter, à conduire, parce que des fois il s'arrête. Mais regardez ça, c'est n'importe quoi, passe. Oh, deux tensions. Ah, tu vas me dire que je dois le laisser? Non. Je crois que j'ai pas d'autre choix. Haha, j'ai réussi. En fait, j'aurais pu passer de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Lance roquette. Je dis toujours. Ouais, parfait. Allons chercher votre fille. Oui, je sais. Elle... Déjà, c'est ma fille, donc tu devrais pas me critiquer, je sais ce que je fais. Qu'est-ce que t'as fait toi? J'avais vu. Bon, ça va, ça m'a fait sur un peu. Je répare toujours. Officier! Explosif! Oh, je l'ai piétiné, c'est dommage. Ah, mais ça va exploser là! Sors! Je vous croirais dans Fort Boyard. Je meurs sinon, non? Soigne. J'en trouverai un autre. Certainement. Là, j'imagine. Je suis sûr qu'il y en a un là-dedans, hein. Il n'y en a pas là-dedans. On dirait le sel qu'il y a dans Star Wars 8, mais ils ont dit que c'était pas ça. Je sais plus ce que c'est. Lance un scan. Oh, mais galère aussi. Étourdis-moi ça. Eh, vas-y. Oh, ça a eu les trois. Génial. Un truc là. Je dirais que c'est bon. Un petit scan, s'il te plaît. Ah. J'ai oublié, ça, c'est un flame trooper, non? Top obtenu, force obscure. Ce n'est pas un flame trooper, mais en tout cas, il a souffert. Bon, bah, du coup, pour le... Attends, merde, il est réparé, là, non? Je suis con, moi. Ah, suis-moi, hein. Quand on aura trouvé. Allez, allez, c'est galère à tirer aussi. Donc en multi, je vous dis pas. Merde, je tire sur un marcheur. Mais en fait, je voulais faire ça, voilà. C'est un trooper. C'est eux à avoir en premier, quoi. La balise n'est pas loin. Tellement de dégâts, les flammes. Il tire. Il tire pas, ce con. Mais il tire pas. Bah ouais, bah il tire pas, je suis désolé, il tire pas. En tout cas les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas fait. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.